seule semaine. Donc là, je vais faire des exercices et je vais faire en 8 séries. Donc ça sera pour les jambes et un exercice avec les bras. Donc là, je vais faire le premier exercice. Donc c'est les squats sautés. Donc je fais 15 squats. Donc là je vais faire le deuxième exercice. Donc ça sera des fentes. Donc des fentes sautées. Donc là aussi j'en fais 15 pour l'exercice là. Donc là je vais faire le deuxième exercice, donc ça sera des petites squats. Donc je rebondis en même temps. Donc là j'en fais 40. Et là, je vais faire l'avant-dernier exercice, donc des fentes normales. Donc là je vais faire le dernier exercice de la première série. Donc en gros tout ça je le fais 8 fois, plus ça. Première série. Donc là je reprends direct comme je suis chaud.
Là, je vais faire le deuxième exercice, donc les par côté. Donc là, ça fait déjà 5 minutes. Donc là, j'ai direct en fait. Voilà. Là, je vais faire d'une porte normale. Je vais faire tout cet exercice là. Deuxième série. Donc là, je vais garder. Je vais y aller, une fois de sauter. Là, je vais faire la petite saut. Voilà. Donc là, je vais faire les portes tout de suite.
Mais je vais attaquer ça. Troisième série que j'ai terminée. Donc là, je vais attaquer la quatrième. Donc ça fait mal en faisant les séries, mais c'est normal, ça travaille fort. Mais le plus que ça travaille, c'est pas trop les mollets, bah si quand même, mais le vrai en plus c'est les cuisses. Ça, surtout avec les petits bras comme ça, ça fait mal. Et même avec ça, sauter. Donc là, bah, je vais le faire, hein. Les portes sautées. Donc c'est ça que je disais que j'avais aussi mal. Moi j'en fais pas beaucoup, c'est pour ça que je le fais en série, au moins j'en fais quand même pas mal, bah, avec des petites pauses, mais au moins j'en fais. Au fur et à mesure, bah, j'en fais plus, donc, par exemple là j'en fais 15, et la prochaine fois j'en ferai 20. La prochaine fois aussi 20, je fais 3 fois 20, et après 25, tout ça, j'accélère un peu. Bah, je pense que la prochaine fois, je vais en faire là. Je vais voir. Ça va travailler un peu plus. Tous les exercices, j'en fais 15. Sauf l'exercice des petits bras, j'en fais 30. Donc là, bah, c'est ce que je dois faire. Donc je le coupe qu'une fois que je suis en haut. Donc là j'en ai fait 30. Donc là c'est les fentes normales. Là, c'est le port sauté. Ah,
Donc là, j'ai attaqué direct comme ça. Je sais à quel point je suis. J'en ai pris une de plus parce que ça fait exprès, je me suis arrêté en haut alors que c'était en bas. Donc là j'ai terminé la cinquième série, donc là je vais faire la sixième. Je vais la commencer la sixième. Là, ça fait 19 minutes. Donc là, j'attaque direct. Donc là, je vais y aller un peu plus vite à chaque fois. Donc là, je vais attaquer à la septième. Donc l'avant-dernière. Merci.
deuxième exercice, ne fais pas trop de l'effort sauté. Tu fais le tour. Donc là, je vous dis pas les mollets que vous allez avoir à la cuisse. Le lendemain, la première fois que je l'ai fait, bah là, je l'ai encore. Ça fait 2-3 jours que je l'ai encore. J'ai tout mal là et c'est tout dur. C'est parce que ça a des... Là, ça fait un peu moins mal, là, aussi. Mais quand même. Donc là, j'ai attaqué la dernière série. Donc ça peut être 23 minutes. Oh non, c'est des bons. Mais. Après, je vais répéter. Après, je vais faire des frappes normales, après il n'y a plus de plastique et j'ai terminé. Donc là, dernier exercice. Allez. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas eu beaucoup de pauses. Bah, tout court, j'en ai pas fait, juste à une avant. Comme ça. Donc là, ça y est, j'ai terminé et ça a été. Salut tout le monde.